So this is a story about butter that you never knew you always wanted. Hopefully. We begin before the appetizers arrive, when the bread comes, with the butter. But this butter, this is the star of the meal. It can be found in a town in France called Saint-Malo, from a family called Baudier. Jean-Yves is the main butter guy these days. Look at all these different kinds of butter. The third generation in a line of butter-making royalty. Ma famille fait du beurre depuis très longtemps, puisque mon grand-père était beurrier. Alors, le beurre est pas simplement important, c'est un aliment icône de la Bretagne. And the butter here is different. The butter we are going to talk about, finally, right, is full of seaweed and used by some of the best chefs in the world. C'est le beurre aux algues. Alors, il s'agit de trois algues principalement, la wakame, la dulce et la laitue de mer. Il y en a une qui vient de la Rance, sinon les autres algues viennent de Roscoff et de la mer d'Iroise. Nous étions les premiers à inventer le beurre aux algues. But then something happened. Something big. Joël Robuchon. Joël Robuchon was a French chef. In 1989, he was named chef of the century. He has 32 Michelin stars, more than a dozen restaurants around the world, 19 cookbooks. He ran a syndicated television show in France, and perhaps at the end of the day, he will be best remembered for his mashed potatoes. Ah bah c'est une ça fait un drôle d'effet. Savoir que l'un des plus grands chefs de cuisine au monde s'intéresse à votre travail, sincèrement, c'est quelque chose d'émouvant d'une part, et deuxièmement, qui est intéressant et important puisqu'il vous oblige à devenir excellent. J'ai eu la chance d'arriver à un moment où les beurriers français avaient délaissé le beurre de table. Tous nos beurres sont façonnés à la main avec des palettes. Et moi, ma méthode de travail a permis aux grands chefs français de remettre le beurre sur table. Alors que je suis revenu dans une fabrication ultra artisanale. I feel like the one question everyone who is still watching this video wants to know is what it tastes like. What does seaweed butter taste like? Le beurre aux algues, c'est un goût puissant, iodé. Vous savez, quand vous mangez du beurre aux algues, je vous invite à fermer les yeux. Manger du beurre aux algues, c'est une promenade au bord de l'eau, avec les pieds dans l'eau. Le beurre est un amplificateur de goût. Il permet à un plat de prendre tout un univers différent. Le toucher avec mes mains. Je ne connais rien de plus sensuel que le beurre, hormis ma femme.